Wesh l'équipo, j'espère que vous allez tous très bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les potes. On va parler du top 10 des sneakers les plus chers du moment. Donc pour faire ce top 10 les potes, je me suis référencé à StockX, qui est actuellement la plus grosse plateforme de trade de sneakers. Donc c'est des prix approximatifs, c'est à dire que il y a des paires qui vont se revendre plus cher ou moins cher que d'autres. En gros, je me suis basé sur la moyenne des prix de la paire. Donc du coup, j'ai fait mon petit classement par rapport à, aux prix les moyens les plus élevés sur StockX. Et du coup, bah, ça m'a donné ce top 10. Et c'est plutôt cool, c'est des paires assez rares avec une petite histoire derrière. Donc c'est plutôt sympa. On commence tout de suite avec la 10e position. Donc les potes, on commence à la 10e place avec la Nike Dunk SB Low Freddy Krueger. Donc c'est une paire qui est sortie le 1er janvier 2007 en 24 exemplaires. Actuellement elle fait 13 000 $ en vente moyenne. Et du coup pour l'occasion du film sorti en 1984, donc les griffes de la nuit avec le tueur en série Freddy Krueger, ils ont décidé Nike de sortir une paire d'SB Dunk Low en 2007 qui est plutôt sympathique. Je la trouve vraiment cool. Également il y a une deuxième paire qui est sortie pour cette occasion, mais qui est un petit peu moins connue. Je vous mets des photos maintenant. C'est une high et elle a un petit peu moins bien marché, mais c'est quand même bien de savoir un petit peu l'histoire de la paire autour et ce qui a aussi lévité autour de celle-ci. Pour la 9e place les potes, on retrouve la Nike SB Dunk Low Yellow Lobster les potes, donc une paire qui lévite aux alentours des 14 000 $. La première apparition de cette paire c'était le 27 juillet 2009, donc pour l'époque ce qui se passait c'est qu'il y avait une collaboration entre Concept et Nike SB Dunk Low Premium. Donc ils avaient sorti une paire, donc la Blue Lobster, donc qui est la même paire mais en bleu foncé. Et à l'époque il y a une paire de Yellow qui avait pop sur eBay et qui avait fait énormément de bruit. Donc la paire est sortie en 34 exemplaires et le prix est toujours actuellement d'environ 14 000 $. Donc du coup là pour la 9e place. Pour la 8e place les gars, on part sur la Jordan Kobe Pack 3-8. Donc c'est un pack de Jordan, de la Jordan 3 et la Jordan 8 aux couleurs des Lakers pour la fin de carrière de Kobe Bryant. Ce pack est sorti le 14 février 2016 pour une valeur de 500 $. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'était pour la fin de carrière de Kobe Bryant. Cette paire a explosé malheureusement avec le drame qu'il y a eu il y a peu pour Kobe Bryant, donc avec sa fille dans un crash d'hélicoptère. Malheureusement je pense que c'est ce qui a fait aussi grimper la paire. Et actuellement le prix moyen pour cette paire est de 15 200 $ sur StockX les amis. Pour la 7ème place les potes, on retrouve la Jordan 4 Retro Eminem X Carrare. Donc la grosse collaboration les potes, elle est apparue le 23 novembre 2015 pour fêter les 10 ans de l'album The Marshall Mathers LP de Eminem. Cette paire est sortie en 10 exemplaires et a été vendue aux enchères sur eBay. Actuellement la paire est également à 15 200 $ comme les Kobe Bryant. Et c'est vraiment une super bonne collab, donc avec une colorie noire pour rappeler les couleurs de l'album d'Eminem. Dans la 6ème place de ce top les potes, on retrouve la Jordan 4 Retro X Undefeated les potes. Donc une paire qui a fait son première apparition en 2005, on connaît pas exactement sa date de sortie. Elle est sortie uniquement en Friends and Family, donc uniquement pour les proches autour des concepteurs ou de la marque. La paire est actuellement à un prix de 17 800 € sur StockX et elle est sortie en 72 exemplaires. Donc une magnifique paire de Air Jordan 4 en revêtement couleur olive, vraiment très très belle paire. Pour la 5ème place de ce top les potes, on retrouve la Air Jordan 4 Retro Wahlburger, donc une paire qui a fait son apparition en 2018, première apparition au pied de l'acteur Mark Wahlberg, donc pour l'inauguration du restaurant Wahlburger. Donc c'est une paire qui n'est pas sortie officiellement, mais sa date de sortie et sa sortie sont plutôt originaux. Donc vraiment la paire a une histoire et ça c'est vraiment cool. Donc la paire en fait c'est simple, Mark Wahlberg a décidé de faire une tombola avec plusieurs autres entreprises pour reverser les dons de 10 € d'entrée à la tombola pour les incendies en Californie. Donc la paire est actuellement cotée à 17 800 $ sur StockX et vraiment je trouve ça plutôt cool le concept de faire une tombola. Il y avait 30 paires à gagner sur son Instagram et c'était 10 € par entrée de tombola. Donc je pense qu'il y en avait une seule entrée par personne, mais il y a forcément des petits malins qui ont trouvé une technique pour avoir plusieurs entrées. En tout cas c'est une paire très très limitée, je suis pas vraiment fan de la paire, mais l'histoire qu'il y a derrière est vraiment cool.
À la quatrième place de ce top, les potes, on retrouve la Nike Dunk SB Low Paris, donc qui est sortie en 2002 en 200 exemplaires, les amis. Elle a été créée à l'occasion du White Dunk Exhibition à Paris. Donc c'est une exhibition de d'art, en fait, tout simplement. Et elle est inspirée des tableaux de l'artiste français Bernard Buffet. Donc actuellement, elle est cotée à 18 000 euros sur StockX. Et je pense qu'elle va continuer à prendre de la valeur si les paires restent DS. À la troisième position de ce classement, les amis, je vous la présente plus, la Nike Air Mag Back to the Future, donc sortie en 2016 en 89 exemplaires. Elle est actuellement à 30 000 euros sur StockX, donc vous avez une marge de prix, hein, bien évidemment. Je vous la présente pas, inspirée du film Back to the Future, donc portée dans le deuxième épisode par Marty McFly quand il part dans le futur en l'an 2015. C'est une paire emblématique et mythique. C'est une réédition, malheureusement, 2016. Après, vous avez la vraie paire qui a été vendue aux enchères, mais elle est complètement éclatée, hein. La paire date de 1989, donc forcément elle est très vieille. Mais en tout cas, si vous voulez une réédition, bah va falloir se mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir se la procurer. À la deuxième position, on retrouve la Nike Dunk SB High Flom ou For Love or Money, donc créée par l'artiste Futura, qui s'est inspiré de tous les billets de tous les pays du monde. Donc c'est une paire qui est très très jolie, qui a été créée en 24 exemplaires et qui est en friends and family, donc qui a été donnée à des proches de l'artiste. Et c'est une paire très très rare et très très jolie, donc une des plus chères stockées sur StockX, qui a plus de 30 000 $. Et c'est une très très belle paire. Malheureusement, moi je l'achèterai pas parce que j'aime pas trop la couleur marron, mais le design est vraiment sympa. Ah oui, et petite anecdote sur cette paire, il y a une proposition d'offre d'achat à plus de 107 millions d'euros sur StockX. Bon, je vous arrête tout de suite, je pense clairement que c'est un troll, hein. Il y a également une offre d'achat pour 1 million d'euros, mais clairement c'est trop abusé pour cette paire. Après, c'est possible que un riche émirat des Arabes Unis vous l'achète, mais franchement je pense pas. Vraiment, c'est une paire qui est très rare, mais 107 millions dans une paire de chaussures, là vraiment on dépasse tous les records et on va vraiment beaucoup trop loin. Et enfin, la première place de ce classement, on a la Air Jordan 4 Retro Eminem encore. Donc une paire qui a été créée à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'album Encore de Eminem. Une paire sortie en 50 exemplaires, très très limitée. Elle lévite autour des 30 000, 31 000 dollars actuellement. Donc c'est actuellement la paire qui se vend le plus cher sur le marché avec son prix moyen. Après, bien évidemment, il y a des paires qui se revendent beaucoup plus cher. Également, il y a une paire qui a été vendue à plus de 64 000 $, soit 55 000 euros, sans boîte DS, donc à Stadium Goods. Je vous parle de ça, c'était il y a très longtemps, mais actuellement la paire lévite autour des 30 000 $ sur StockX. Voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pouce bleu, vous me dites dans les commentaires, abonnement, cloche des notifs, comme ça hop, on loupe rien de prochaines vidéos. Je sais que la vidéo n'est pas parfaite, j'ai dû oublier des infos et j'ai peut-être dit des bêtises. Je me suis renseigné au maximum avant de faire cette vidéo, mais malheureusement on trouve pas tout sur internet. Il y a des paires qui sont assez vieilles, donc du coup leur date de sortie, il n'y avait pas forcément les infos, et il y a des infos que j'ai pas trouvé tout simplement. En tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous en referai d'autres sur d'autres choses. On peut très bien faire sur des vêtements autres que des sneakers, hein. Dans tous les cas, les potes, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notif, les commentaires, et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.